avec secrétaire d'État communication gouvernement démissionnaire là Eddy Jackson Alexis qui bail conférence pour la presse journée jeudi a li annoncé gagner disposition gouvernement ça qui pas jamais paraître une note pour la presse sous pile à paquet monde qui obligé courir qui te caillou après fin massacré en pile monde dans la saline qui monte tente sous place d'Italie. Tout d'un coup, gouvernement ça t'a passé diverses instances dans l'État ou l'ordre et pour y apprendre mon ça en charge, selon Monsieur Alexis, qui fait connaître qui c'est ministère de santé publique, avec population, gagnant, ordonné pour apprendre soin tout le monde qui malade parmi mon ça yo, qui c'est ministère intérieur, collectivité territoriale, t'as déjà distribué kit manger et bail mon ça yo qui déplacé. Eddy Jackson Alexis a annoncé même EPPLS pour évaluer cas 360 et moun qui par un cas priorité qui trouvé sous place d'Italie. Donc tout d'un coup, gouvernement connaît existence. N'attendez une conférence pour la presse à côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Communauté qui est appelée sous place d'Italie, je vais vous dire. Communauté ça, c'est une série de monde qui des zones où on a vécu là, soit pour question de violence qui est dans la zone ça. Et les gens qui sont dans la zone tout, parce que zone où on a vécu là, il y a un autre cadre de problème, là on a dépensé votre carte pour continuer. Une fois que vidéo ça, et en plus l'information a commencé à circuler concernant la nouvelle communauté ça qui est appelée sous place là, où elle a eu. Autorité, même moment, est prendre disposition pour aller voir ce qui passe et pour te répondre à vous. C'est pour ça que nous avons une mesure rapide qui déprend. Tout de suite après, nous devons avoir des informations que nous avons sur place. Dans l'intervention que nous avons faite, le chef de l'État qui dit même des mondes qui sont préoccupés, il déchire avec toute une série d'entités, c'est des instances dans l'État qui concernent pas les situations de ce lien. Demandez, même si chaque monde n'a pas assumé les responsabilités, en ce qui a des compétences dans chaque domaine, mais il faut que nous agissions tête ensemble. En ce qui m'a parlé là, c'est le ministère de la Santé publique et la population, le ministère intérieur à la collectivité territoriale, la police nationale à travers le DCPA, DDO, DINEPA, DCP, donc direction protection civile, et puis mairie Port-au-Prince. Et puis mardi, 6 août passé, délégation ministère de la Santé publique qui était sur place là a posé action. D'après information, agent santé communautaire polyvalente a remarché sur place d'Italie, il y a 1500 personnes établies dans la zone ça. Ce n'est pas seulement la santé publique qui a fait le recensement. Il y a tout VBLS qui pose deux qualités d'action. VBLS sont entité en un ministère de l'Affaires sociales. D'abord, regardez la quantité de familles qui habitent sur place là. Il y a dénombré 261. Puis, il y a dans la zone où tout le monde a vécu préalablement. Évaluation, puis identifier cas et côté de vivre là, puis évaluer conditions cas et ça. Parler de VBL. 261 familles VBLS recensées, de sortir dans zone la saline, le coin des Boussales, dans la cité de Dieu, à quelques zones qui sont toujours dans l'environnement, tant pour plagier. Information VBLS collectée ont montré que Mounsao a vécu sous place d'Italie dans des conditions extrêmement difficiles et a fait face à un paquet de problèmes. On dit nous, c'est le travailleur social qui était enquêteur VBLS. Parmi les problèmes, ça a gagné à la cité. Pas de l'eau potable, pas de toilette, nous nous faisons besoin. Il y a des problèmes sanitaires, tout le recensé. Il y a des gens qui frappent maladie. Donc, maladie pour les gens qui font infection vaginale. Il y a des gens et même des gens qui sont dans la zone, place là, il y a des malnutritions. Il y a des gens qui font infection dans l'intestin. Il y a des problèmes économiques. Les gens qui ont pas de gros moyens pour acheter manger avec notre qualité de produit que tu as besoin. Autorité a posé plusieurs actions pour répondre à la situation simple décrite là. Donc, c'est un problème que nous présenter. Ce n'est pas avec le repas distribué de l'eau, bah, mon Dieu. Et il a même tout fait en l'autre évaluation. Donc, il y a plusieurs évaluations. Il fait donc, il y a plusieurs entités dans l'État qui ont des qui j'aime mon Dieu à vivre dans la zone. Avant mercredi, le ministère de la Santé publique a réalisé une clinique mobile sur place d'Italie. En plus d'interventions de fait, et d'interventions sérieuses, nous devons embarquer la police qui a accompagné toute qualité d'interventions de la préfecture. Et la police était surtout présente pendant que tu as distribué kit alimentaire par les gens sur place d'Italie. Il y a une action qui doit poser par rapport à l'existence de la police. C'est pour ça que nous avons organisé autour de nous pour être capable de une structure qui représente l'interface avec l'État. Donc il y a un comité de 15 personnes qui formés qui sont même capables de parler, interagir avec toute entité, toute instance, que ce soit publique ou privée, qui décide
faire intervention sur place Italie, même si nous avons là temporairement. Mes dispositions qui doivent prendre et qui apprennent actuellement là, pour être un nom qui n'est pas trop loin, déplacer sur place Italie, il y a renforcé la sécurité dans la communauté qui est vivant avant. Ça qui doit faciliter la réintégration de la communauté. Et bien, à travers tout ça, il y a planifié la réintégration de la communauté. Donc, il n'y a pas prendre de mettre dans le camion à la vidéo dans l'espace. Planifier avec eux comment la réintégration ça a fait dans la communauté. Eddie Jackson Alexis, porte-parole pour voir tête calée. Donc, il ne faut nous pas prendre mon yo, peuple haïtien, pour égarer. Depuis qu'il est gouvernement, ça a été préoccupation sur l'affaire de Moun La Saline. Nous connaissons en temps Premier ministre Seyan, qui l'est événement passé, qui a fait une déclaration. Président par exemple dit un mot, par exemple une note qui sortit, par exemple rien de compassion, par exemple aucune approche qui fait concernant situation Moun La Saline. Malgré organisation qui a défendu le monde, et tant que Fondation J'éclairé, RNDDH, by toute information, jusqu'à ce que le dossier vienne prendre international, l'arrivé dans le Congrès américain, l'arrivé dans le Conseil de sécurité, gouvernement haïtien par exemple réagit. Et une première réaction, il a obtenu dans le gouvernement haïtien. C'est deux responsables dans l'État qui ont cité délégué l'Ouest, Pierre-Richard Duplan, avec directeur général ministère intérieur Fedel Moncheri. Est-ce que le gouvernement mettait M. Sayo à disposition faire retirer une portion pour répondre à la question de la police, la justice? Eh bien, par exemple, j'aime bien comme ça, un rapport DCPJ, qui sont instances dans l'État, qui travaille la police, qui travaille pour le parquet, qui ça que j'aime fait. Il faut dire qu'il y a plusieurs organisations qui défendent le droit de l'homme, qui demandent des commissions interaméricaines de l'homme, font intervention pour protéger les gens qui chappaient en bas massacre La Saline. Non. Et c'est ça, bureau, avocat international, et cabinet, et organisation qui défend le droit de l'homme en Haïti, en collaboration avec organisation partenaire qui est basée dans le pays États-Unis, tant que l'Institut pour justice et démocratie en Haïti, IJDH, a annoncé une pétition dans ce sens. Et bien, la Commission interaméricaine de l'homme, c'est IDH, pour moi, intervention pressée, l'État haïtien, pour protéger les gens qui ne peuvent pas mourir dans le massacre qui était fait dans le novembre 2018, là, qui était fait dans La Saline, dans Port-au-Prince. Et pétition, ça, c'est une demande, mesure, précaution, en vertu protocole, c'est IDH, non, pour sauver et puis protéger les droits des gens qui sont en danger et pays qui membre organisation interaméricaine. Rapport mission Nations Unies en Haïti, mini juste, au commissariat Nations Unies pour droit moun, ICDH, avec sa réseau national qui défend droit moun en Haïti, RNDDH, confirmé de gang armé dans confiance avec des autorités dans l'État, dans le gouvernement, yo assassiné des moun qui vivent La Saline, la de femmes et ti moun pas épargné. Pendant massacre, plusieurs aides temps qui étaient faites en bas, j'ai la police. Rapport RNDDH a confirmé au moins 71 personnes qui mourent. Et BAI avec IJDH, ils ont demandé CIDH pour adopter des mesures qui obligent le gouvernement haïtien à commencer à bailler les gens, aide humanitaire pressée, les gens qui ne peuvent pas mourir, les gens qui sont déplacés à cause de massacre. Ça, et renforcer la présence de la police pour améliorer la sécurité moun nan La Saline et dans l'autre quartier qui tout près yo ak moun ki pat mouri nan massacre là moun ki te prend refuge et pour yo capable après tout retard qui prend permettre que victime sa yo capable aller la justice et mandé CIDH commission interaméricaine droit moun prend toute mesure pour protéger survivant massacre là et qui moun sa yo et qui en danger toujours parce que la guerre dans la rue et avant assassinat et petitement gagne une là-dedans qui t'ai parlé comme ça qui t'a supporté mais économiquement en plus mais perdu et jour massacre là tout ça me gagne caille commerce bien et la trier quoi lié là c'est mander m'a demandé en pile fois me subi humiliation pour me capable jeune mot sopin pour me bailler petitement yo c'est ça youn dans monde qui signe une pétition qui t'est victime qui a vive dans yon marché dans mitan la rue sans que pa gen kin aide l'état yo pa jam ride yo. Alors enquête RNDDH plus d'après ça notre lundi di parler de journalistes internationaux mais un journaliste dans pays a trou qui travaille qui risque vie pour dossier ça yo suggérer que massacre
et c'est dans confiolog et entre acteurs dans l'état qui te fait faire représailles pour implication moun sa yo dans mouvement social levé campé mouvement anti-corruption et dans mouvement qui te fait particulièrement année passée à partir de rapport et qui gagne sous dossier Petro-Caribéen et qui rappelait depuis 9 mois Jovenel Moïse pas jamais condamné publiquement massacre ça et ni pas jamais bail victime aucun assistance ni empêcher les actes violence continuer fait dans la saline et ni pas jamais mettre sous côté fonctionnaire dans l'état et qui gagne nos cité dans dossier massacre ça c'est ça mettre Mario Joseph qui responsable BAI et fait connaître selon notre nous gagne. Alors il y a 3 organisations qui écrit CIDH pour demander protection pour victimes yo. CTH a célébré hier 15 août dans hôtel Le Plaza 60 ans existence li. Centrale syndicale a annoncé cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités parmi eux porte-parole Mopodlo, ancien député Serge Jean-Louis, syndicaliste Yves André Joseph pour ne citer ça seulement, secrétaire général CTH René Préville Joseph et dressé un bilan positif concernant véritable bataille yo mené pendant 30 années malgré difficultés y a fait face dans dernier moment ça yo. Nous l'autre pas à la tête dans CDH temps fait un plaidoyer en faveur d'une démocratie participative dans le pays. Il déclarait ses batailles à CTH toujours mené depuis existence li 60 ans. N'attendez secrétaire général CTH non, syndicaliste René Préville Joseph dans occasion célébration ça dans micro Joubert Joseph. Nous avons un bilan qui est un peu riche et malgré toutes difficultés que nous confrontons dans le pays, malgré les problèmes économiques, les problèmes de chômage, les problèmes qui posent en éducation, les problèmes qui posent au niveau infrastructure, les problèmes qui posent au niveau de l'environnement, les problèmes qui posent en matière de ça que nous carré le développement, nous sommes capables de dire, même si les problèmes sont opposés, mais nous avons un ensemble de travail, nous estimons qui fait. Et nous ne sommes pas capables de dire totalement à 100%, c'est CTH qui est venu pour organiser tout le monde. Ça, mais nous sommes capables de dire, après la chute de Jean-Claude Duvalier, nous avons remarqué qu'il y a une motivation énorme au niveau de différents secteurs et dans la vie nationale là, quel terrain l'église, quel terrain les étudiants, littéraire les employés, littéraire les nous comme nous avons histoire à travers la CTH par façon CTH te vin sous terrain et c'est tout temps une véritable bataille et qui t'est entré dans dynamique ou bien il t'est inscrit dans cadre démocratie. Nous connaissons tout pays qui développé, tout pays côté monde capable vivre comme moun faut gagner démocratie. Depuis pas gagner démocratie, alors je suis capable de dire ça, on démocratie participative. On démocratie qui chita sous participation tout le monde. On démocratie qui chita sous droit moun. Alors comme nous connaissons comment situation en est là, en pile moun victime, en pile moun mouri, en pile moun mouri pour bay liberté. Ça c'est pas seulement des salines comme papa nation, c'est vrai, il fait route pour nous mais nous même tout, nous avons l'autre travail en profondeur pour nous continuer à faire ces batailles pour nous tous capables de gagner droit pour nous manger, droit pour nous travailler, droit pour nous gagner un côté pour nous dormir, droit pour nous capables de gagner santé, droit pour nous gagner une bonne éducation de qualité, droit pour nous capables de faire pays à vraiment droit à l'environnement, ça est extrêmement important. Donc c'est ça qu'on y a là qui dégage, qui te compte dégager à travers la CTH et à travers l'organisation internationale travail côté nous t'es affilié, côté nous toujours affilié, qui pas jamais suspend poser problématique de ça nous relé moun. Le moun c'est pas seulement leur gain bouche pour reconnaître ou moun, c'est pas seulement parce que ou ka marché pour reconnaître ou c'est moun, mais ou moun en entier c'est leur ou gagner éducation, ou moun en entier c'est leur ou capable répondre à un ensemble de problèmes que ou gagner ou doit résoudre, et ou moun c'est leur ou capable ou gon pays ou fait là-dedans ou de remen pays ou. Et tout remen on pays fort ou pas opportuniste, tout remen on pays ou pas de mercenaire, tout remen on pays ou de nationaliste syndicaliste.